Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur KFR Radio, la voix de Fredericksville, Arizona. KFR 96.4. Notre nouvel émetteur de 3000 watts me permet d'adresser un bonjour pluvieux à nos voisins de Wakeso à 300 km au nord et aux habitants de Mill Valley à 250 km au sud-est. Et j'ai l'impression que le soleil perce sous les nuages. Oui, ce n'est pas qu'une impression. Il se pourrait bien qu'on ait une journée ensoleillée. The wrong winding road, 'cause there's a sycamore tree where the engine used to be. God's poetic justice, I suppose. What once was the envy of the show is now the diving crust. All that's raised. Gemini à Mars, voilà l'express en marche. Ici Mars. Message bien reçu. Prévenir force d'intervention. Allez les gars, debout! C'est l'heure. Allez, tas de feignants! Sortez de vos sacs à viande! Debout! Qu'est-ce que je peux regretter l'Irak? C'était bien ces étendues de sable fin. On s'arrache! Shirley, ici le Sheriff Scott. Je fais une halte au bureau. Je regarde s'il y a du courrier et si j'ai reçu mon canard. Ici Sharon, le joueur de fifre arrive au boulot. Bien reçu, Sharon. Hydra, vérification et exécution. Hydra, sommes à la banque, comme prévu. Jupiter, à vous. Ici Jupiter, RAS, sur front ouest. Suivez le plan A. Le relais express a passé le point de contrôle Alpha. Parfait, ça roule. Attendons le joueur de cymbales. Pluton, soyez vigilant. Je vais mettre au point un coussin qui masserait les fessiers pendant les longs déplacements en voiture. Soyez les bienvenus au fin fond du trou du cul du monde, au cœur de l'Arizona, goûtez à la vraie vie. On n'a pas de bol. Tu crois que l'agence nous aurait envoyé à Vegas, à Los Angeles? Ben non. Nous, Morelli et Cooper, spécialistes des pâturages et roi incontesté de Pecknoland. Hey, humour, tu devrais te marrer logiquement. Décrispe-toi, profite de la vie tant que ça se donne. Ça me fait mal au cœur de voir comment tu te gâches l'existence. Au loin de moi, l'idée de te sermonner sur ta manière de vivre. Tu me connais, je suis plutôt du style à ne pas me mêler des affaires des autres. Je ne m'occupe que de mes fesses. Ok, ok, d'accord, je me tais, mais éteins cette saleté d'autoradio. Mars, ici Pluton. Le montagnard est arrivé. Horizon dégagé, terminé. Salut, Trésor. Bonjour, Mademoiselle Ramirez. Tu as quelque chose pour moi? Tenez. Merci. Salut, Agnès. Il est encore détraqué dans son automne? Ici Pluton. Lucie a reçu son chèque. 114 Dumont. Pas de description. C'est pas sorcier. Tu cherches la maison la plus minable de la rue. À gauche, le gouvernement n'a pas les moyens.
Ah, quand même. Bonjour, madame. Nous sommes les agents Cooper et Morelli. Pièce d'identité ? Ouais. Eh ben, dis donc, vous n'avez pas l'air pressé. Vous vous êtes arrêté en route pour acheter des souvenirs ? Lucie a de la compagnie. Deux joueurs de cymbales. Un blanc environ 28-30, un noir 35-37. Jolie maison. Ça me rappelle la tienne. Non, vous plaisantez. C'est le FBI qui m'a collé ici. Je serais aussi bien dans une caravane. Ah, au fait, j'espère qu'il est spacieux, le coffre de votre voiture. Mon cher Maritoni, il supportait pas que j'en emmène autant. N'empêche que les fringues, ça en dit long sur une personne. Sauf peut-être dans ce trou paumé. Ici, ils ne jurent que par la flanelle et la toile de jute. Quand on leur parle d'élégance, ils croient que c'est une marque de tracteur. Vous, les fédéraux, vous m'aviez promis de me protéger. Résultat, une retraite de 2 ans en pleine cambrousse. J'en ai marre de ce trou. C'est le coin le plus mortel d'Amérique. Bon, qu'est-ce que je vais mettre pour aller voir ces crétins à Washington? C'est pas croyable. Les gens, ils disent qu'ils vont vous... Oh. Arrêtez de me mater comme ça, vous allez vous bousiller les yeux à force. Hein? Si vous saviez comme j'ai hâte de partir, où sont mes godasses? Je trouve plus mes godasses. Il faudrait que je passe à la banque. Que vous passiez à la banque? Est-ce qu'il y a de l'écho ici ou bien... Oui, à la banque. L'oncle Samuel m'envoie un petit chèque tous les mercredis, alors je veux l'encaisser sans attendre. À quelle heure il est, le vol, vous avez dit, hein? Ben quoi? Avez-vous fini de vous habiller, madame? Un boy scout. Il n'avait encore jamais vu ça. Ah, vous avez une très grande classe, madame. Ce n'est pas donné à tout le monde, mon chou. Je vais vous demander de porter ceci. C'est la procédure. La procédure? Ça va m'aplatir les seins comme des galettes, votre machin. Oh, non. Non, sans façon. Voilà, on peut y aller. Ah, la délicieuse odeur de crottin de cheval. Elle me manquera. Non. Miss Daisy. Ici Pluton. Lucie est sur le départ. Hydra. Ici Mars. Coordonnez vos forces. Suivez le plan A. Go. Vous avez vu ce trou? Même un cimetière, c'est plus joyeux qu'ici. Pas de ciné à moins de 150 bornes, et pour rencontrer un mec qui ne sent pas le fumier, il y a intérêt à s'approcher. Ah, vous venez? Un seul agent accompagne le témoin, l'autre reste dans le véhicule. C'est la procédure, madame. C'est la procédure, hein. C'est quoi, un androïde? Venez, on y va. C'est un des agents les plus efficaces et moi, bien sûr, je suis le plus sexy. Un vrai gâchis. On dirait qu'il a un manche à balai dans le derrière. Joli garçon, mais tendu comme pas deux. Ce qu'il lui faudrait, c'est une petite gâterie. À vrai dire, je suis assez tendu, moi aussi. Je sens l'espoir poindre en vous. Pas que l'espoir, d'ailleurs. Les ploucs ont renoncé à payer avec des carottes. Devinette, qu'y a-t-il de bien dans une petite ville? Je sais pas. Absolument rien, on se fait chier. Comment allez-vous, ma chère?
voudrais également déposer ce chèque. Bonjour. Je vais m'asseoir. Je vérifie la situation de votre compte. 248 dollars. Merci, vous êtes direct. Je signe où ? En bas à gauche, comme d'habitude. Hydra, allez-y. On ne bouge plus ! On ne bouge plus ! Les mains bien en vue ! Ah, c'est bien ça, c'est bien ce que vous pensez ! Tout le monde à terre ! Bougez-vous ! On ne touche pas au signal d'alarme. Si l'un de vous fait le moindre geste, je le tue et son voisin avec. Le premier que je vois brancher, il y passe. Allons, exécution, exécution. Janus, prends le fric, je m'occupe du corps. Arrête de chialer. Dégage. Où est l'espèce d'enfoiré qui vous sert de patron? Monsieur Hastings. C'est toi, mon gros. J'aime bien les gros. Je leur troue la graisse. À ton avis, qui est le plus rapide? Une balle en téflon ou toi, mon gros? Merde, Morelli! Mais à quoi est-ce qu'ils jouent ces guignols? Du calme, laissez-les prendre le blé. Du calme? Oh, mais quoi encore? C'est mon blé qu'ils sont en train de piquer! Tu vas la fermer, oui! Un mot de plus et c'est le carnage! Je vous descends les uns après les autres! D'accord. T'as compris? Ah, Charlie Hastings! Gros plein de soupe et puis président! Ouvre le coffre. Je ne connais pas la combinaison. Ça te rafraîchit la mémoire, non? Il a besoin d'être stimulé, notre Charlie. Jupiter, amène-moi un client. À ta place, je resterai tranquille. Allez, avance. Un petit effort, Charlie, ou je tue un client toutes les 30 secondes. Tu comptes y rester toute la journée? Tu cherches à m'entuber, c'est ça que tu as en tête? Je ne me permettrai pas. Laissez-moi encore une minute. Une toute petite. Tu vois cette charmante dame? Dans quelques secondes, sa cervelle ira éclabousser ta jolie moquette. Si tu crois que je n'oserais pas, tu te plantes. Je vous descendrai tous, bande de bouseux. Je vais y arriver. Il faut que je la retrouve. C'est une question de temps. J'ai horreur qu'on se foute de moi. Je vais te montrer qu'on est tous sauf des amateurs. Tue la nana en rouge. La fille! Descendez-le! C'est Cooper! C'est quoi cette galère? On peut savoir? D'où il sort ces fous furieux? C'était pas prévu, Cooper, je veux comprendre! C'est pas vrai, mon!
Veille à ce qu'il ne bouge pas, colle-le à terre. Je vais y aller par le côté, ok? Mo! Non, ça va aller. Qu'est-ce qui a bloqué ma voiture? Faut vraiment être con pour se garer juste avant! Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Le joueur de FIFA est en route, il sera sur les lieux dans 8 minutes. Stand-by. À nous. Oh non, fais pas ce coup-là! Accroche-toi! C'est pas un braquage, ça! C'est un commando! Ah! C'est un traquenard! C'était mal! Oui, sûrement, c'est ma faute maintenant! Tu le vas t'en tirer! Tu vas pas me lâcher, hein? Un mot! T'entends? Non, Mo! Déconne pas! Charley! C'est urgent! Contacte Tucson! Dis-leur de nous envoyer des hommes! Neptune, interceptez communication. Bien sûr, on est branché. Police fédérale de Tucson, ici Fredericksville, répondez s'il vous plaît. Ici quartier général de la police de Tucson. On nous signale un braquage de banque, nous avons besoin d'aide. Entendu, Fredericksville, vous avez beaucoup de chance. Il y a une équipe de fédéraux dans le coin, je les contacte. Dans moins de 10 minutes, ils seront là. Je crois qu'on est tombé sur un os. Ce type a plus que les deux chargeurs réglementaires des joueurs de cymbales. J'arrête pas de l'asperger, mais il a bouffé de la dynamite, ce fumier. Neutralisez-le. J'envoie des renforts. Y a intérêt. Direction la banque. Combien de temps? 2 minutes. Hydra, les renforts sont là dans 2 minutes. Clouez-les au sol. Mais planquez-vous, nom de Dieu! Pluton, Sharon, quelle est votre position? On y est dans 1 minute. Renfort dans 1 minute. Fais chier. J'ai presque plus de base. Et il faut sortir de là! Ah, ok. On profitera d'un changement de chargeur. À mon signal, on sort. D'accord. Maintenant! Ah! Dépêchez-vous! Vite, vite! Merde, les renforts, où êtes-vous passés? On est là dans 30 secondes! Vite, on est mal barrés, les mecs, accélérez! Plan B. Force d'intervention plan B, action. Hydra poursuit Tétanus, nettoyage. C'est ça que vous appelez un plan de protection des témoins, sans doute! Je les ai immobilisés. Hydra, les renforts arrivent. C'est pas trop tôt. Rouillez-vous, empêchez-les de tirer. Qu'est-ce que... Quoi? Mais quoi?
quelqu'un. Ils vont me tuer, ça va pas la tête. FBI, madame. Allez. Couchez-vous. Couchez-vous. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Non. Bon, ça va, là. Ça va, lâchez-moi. Mais quel plaît, ce mec. Restez caché. S'il vous plaît, vous pourriez m'écraser la figure ailleurs que sur vos bijoux de famille. C'est gentil. Si vous en aviez tellement envie, vous pouviez le demander gentiment, Cooper. Hein. Qui sait? Peut-être qu'au fond, ça m'excite, cette petite fusillade. Ou peut-être que je suis toujours partante pour la bagatelle. Rasseyez-vous, ils sont plus là. Vous êtes sûr? Oui, oui, je suis sûr, ils sont plus là. Je n'en reviens pas. Vous êtes le premier mec qui me chasse de cet endroit. Vous êtes PD? Attention, j'ai rien contre les PD. Ça ne vous regarde pas, mais pour information, non, je ne suis pas PD. Susceptible avec ça. Agents fédéraux Weaver et Spencer. Pas de surenchère, sauf si je le décide. Cela va de soi. Je ne suis pas un amateur. Non, évidemment. Je ne voulais pas vous vexer, lieutenant. Restez où vous êtes. Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Appelez une ambulance. C'est vous les fédéraux que Shirley a appelé? Agent Weaver. Et voici ma collègue, l'agent Spencer. Est-ce que ça va, shérif? Ils sont tous morts. Je les connaissais, je connais leur famille. Un carnage. Encore du Brodie et Kane. Vu les méthodes employées, ça ne peut être qu'eux. Qui? Un couple de cinglés que nos équipes poursuivent depuis de longs mois. D'après la rumeur, ils se baladaient dans le coin, mais je n'aurais jamais cru... Shérif, je sais que c'est votre juridiction et je ne tiens pas à vous faire de l'ombre, mais je voudrais vous aider à arrêter ces deux pourritures. J'accepterai l'aide d'où qu'elles viennent. Nous avons des collègues dans le secteur, nous allons les appeler. Rendez-vous à votre bureau dans une heure. D'accord. C'est la première fois que je me retrouve dans une galère pareille. Le positif, c'est qu'on dirait que vous les avez vraiment semés. Je vais contacter le bureau, ils vont m'aider. Oh, lâchez donc le bureau deux secondes. Grandissez un peu. La corruption, vous avez entendu parler, tout le monde en croque. Ah ouais? Un coup de fil et le problème est réglé, un coup de fil! Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord, Einstein, allez-y, appelez-la, votre agence. De toute façon, faut que j'aille au petit coin. Quel fil. Appel à toutes les voitures dans le secteur de Bridgeway. Hydra? Ici Mars, répondez. Je vous reçois, Mars. Ils sont dans la nature, on a perdu leurs traces. Autant que je sache, il n'y a qu'un seul et unique itinéraire pour sortir de ce bled. Alors vous allez suivre le plan B. Vous scindez vos forces, Hydra. Bloquez-moi cette route. Et coincez-les avant qu'ils ne rejoignent la civilisation. Cette fois, on les aura, monsieur. Nous changeons de niveau, la partie devient intéressante. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo. Les jeux sont pour les amateurs et les enfants, pas pour les soldats professionnels. La pire des erreurs est de traiter l'ennemi à la légère. J'ai vu l'infanterie se faire massacrer pour avoir sous-estimé l'ennemi. Je ne permettrai pas que ça se produise sous mon commandement. Je ne voulais pas vous insulter. Pardonnez-moi une fois encore d'avoir voulu vous donner une leçon. Vous n'êtes pas sans savoir l'estime que je vous porte. Bon, unité Tango, à vous de jouer. Ratissez toute la zone jusqu'à la nationale. Unité Bravo, vous montez vers le nord. Rapport toutes les 10 minutes, en route. Fusillade à Fredericksville, au moins 8 victimes dans les locaux de la Western Bank. La police nous a donné le signalement des suspects. Un homme, 1m85, 28, 30 ans, châtain clair, et une femme hispano-américaine, brune, 1m70. Ils sont armés et dangereux. À présent, nous reprenons le cours normal de notre émission et retrouvons nos chers dinosaures. Les toilettes, s'il vous plaît. Dans les musées. Merci. Faire rêver.
Ça va, la petite dame? Elle survivra. Le plat. Opératrice 123, puis-je vous aider? En PCV, agent Cooper. Ne quittez pas. FBI, service des opérations spéciales. Un appel en PCV de l'agent Cooper, vous l'acceptez? Oui, nous l'acceptons. Le chef adjoint Crispin. Ne quittez pas, je vous le passe. Crispin. Un appel de l'agent Cooper, monsieur. Entendu, passez-le-moi. Cooper, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous appelez sur cette ligne? Voilà, c'est le merdier ici, le merdier total. Nous avons été victimes d'une embuscade et... Et surtout... Morelli, il est mort. Oh, nom d'un chien, quelle saloperie! Bon, il vaut mieux que vous le sachiez. La femme, c'est Yvonne de Benedetto. Et ça a un rapport avec... Avec Tony de Benedetto, le mafieux, c'est sa bourgeoise. Tout s'explique. Grâce à elle, il moisira en prison pendant au moins la moitié du prochain millénaire. Écoutez, je suis dans la panade et j'ai besoin d'aide. Ce sont de grands pros, ils vont pas nous lâcher de sitôt. Vous allez suivre mon conseil. Faites-vous le plus discret possible. Où êtes-vous exactement? À la station-service, près du kilomètre 21, sur la route 66. Ici Pluton. La bonne nouvelle, on a localisé Lucie. La mauvaise, le joueur de cymbales a appelé chez lui. À vous de jouer, lieutenant. Saturne, Lucie localisée à la station-service à 6 km de votre position actuelle. Verrouillage. Ici Saturne, bien reçu, on y va. Oui, alors, il y a une installation militaire, environ 8 km au sud-ouest de la route 66. Allez-y, concentrez-vous sur la femme, ne vous laissez pas distraire par le joueur de cymbales. Ce n'est guère plus qu'une station météorologique, cela dit, elle a le mérite de se trouver pas trop loin. Je vais les prévenir, ils vous attendront, ça va aller? Oui, je crois, ça devrait aller. Génial, génial, Cooper. Soyez prudent, j'arrive. Je viens vous chercher personnellement. Très bien. Dernière chose, vous êtes intelligent. Vous êtes un bon. Vous allez y arriver. Vous faites ce que vous avez à faire, rien d'autre. Oui, je fais ce que j'ai à faire, entendu. Maintenant, vous restez tranquille. Et la Western Bank a été braquée à Fredericksville. Et l'arrière de votre voiture, il est tout troué. Alors n'importe quelle demeurée peut en tirer une conclusion. Attendez, Wally, c'est bien votre nom. Je vous montre quelque chose. Attention à ce que vous faites! Il y a erreur sur la personne. Je suis du FBI. Jetez-la sur le côté, votre carte. Je vais la ramasser. Et pas de coup tordu, sinon... Ça s'achète, ce genre de carte. J'ai vu de la publicité dans plein de magazines. Je suis l'agent Lance Cooper. Écoutez-moi. D'où est-ce que vous sortez, vous deux? Pas de panique. Bougez pas! On se détend, nous sommes des agents fédéraux. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on poursuivait des braqueurs, vous les avez attrapés. Attendez, vous n'allez pas les croire. Et ça, c'est de chez vous? Non, cowboy. Cette carte est bidon. Ce type vous ment. Ça, je le savais. Ne les écoutez pas, Wally, ils vous racontent des salades. Ne baissez pas votre arme, je vais appeler de l'aide. Personne n'appellera qui que ce soit, ce type est un repris de justice. C'est un voleur et un assassin. Baissez votre arme, nous prenons le relais. Ne leur obéissez pas, ils racontent des salades. Restez où vous êtes et tenez-les en respect. Quittez pour me donner des ordres, hein? Et où est-ce qu'elle va comme ça?
témoin prévu demain. Le sénateur Ivanovitch a rejeté les allégations le concernant. Elles ne sont, je cite, qu'une manœuvre politicienne. Ce dernier attend beaucoup des déclarations d'un témoin dont l'identité n'a pas été dévoilée. Connectez-moi avec Zeus. Mars, donnez-moi de bonnes nouvelles. Monsieur, nous rencontrons des difficultés passagères. Comment ça, si cette femme n'est pas morte dans Monsieur, une heure ? Monsieur, vous avez ma parole, la cible sera éliminée très vite et dans la discrétion. Mars, vous avez ma parole. Si vous ratez l'opération, vous plongerez avec moi, compris ? Oui, monsieur. Eva ! Oh ! Allez vous faire foutre, espèce de gros nul ! Vous n'avez qu'à crever dans votre coin ! Vous venez avec moi ! Non, ça pas question ! Pourquoi faire ? Vous n'êtes qu'un coursier, un minable coursier ! Oui ! Et le colis que je dois livrer, c'est vous ! Oh. Arrêtez ! Arrêtez ! Hé ! Mars, ici Taurus. On la tient. Tu es là. Non, ça va, ça va, ok. Bon, d'accord, vous avez raison, c'est pas très grande classe. Ça fait deux fois en une demi-journée que je manque de mourir et vous, tout ce qui vous défrise, c'est ma façon de m'asseoir. Je vous emmerde, on y va, vous êtes vraiment nuls. Je suis peut-être pas très grande classe, mais vous êtes tous sauf un gentleman. On vous recontacte une fois sur les lieux. Deux véhicules de la police routière approchent de la ville. Interruption de toutes les liaisons, brouillage des fréquences. Contactez Janus pour qu'il intercepte immédiatement ces véhicules. C'est parfait. Janus, la partie n'est pas finie. Vous voyez, ce n'est qu'une question de temps. Ce sont les meilleurs qui gagnent. Ne courons aucun risque. Doublez le nombre de joueurs et rameutez les renforts en moto. Yahoo ! En route, les gars ! On part à la chasse ! Biscay, prends la deuxième équipe ! Les autres avec moi ! Rock'n'roll ! Je déteste la marche à pied. Je donnerais cher pour avoir un taxi. Au bon vieux temps, si j'avais 100 mètres à faire entre l'Institut de beauté et le salon de thé, Tony mettait une limousine à ma disposition. Il était galant avec les dames. Enfin, c'est pas comme certains. Vous m'écoutez ? Hein ? À toutes les unités sur le terrain, quelle est votre position ? Ici Code, première équipe, secteur 17, RAS. Ici Hydra, secteur 8.
Pas de trace de Lucie. Ici deuxième équipe, secteur 2F, RAE. Hydra à Mars, j'ai repéré les cibles. Secteur 4G, direction nord-nord-ouest. Les unités les plus proches sont dans les secteurs 6G et 7H. Je vais les faire se regrouper. Alors, où est-ce que vous m'emmenez, vos blonds? Puerto Vallarta, Tahiti, Vegas? Ah. Oh, pardon, j'avais oublié. Pas de voiture, pas d'argent, pas d'armes. Je sais où nous allons. Direct en enfer. Vous êtes toujours comme ça ou c'est seulement aujourd'hui? Oh non, non, monsieur Manche à balai. Je ne suis comme ça que les jours où des fous furieux essaient de me tirer dessus ou de foncer sur moi avec leur caisse. Quand on veut me zigouiller en un mot, il n'y a que là que je suis comme ça. Avec votre caractère, je suis surpris que ça n'arrive pas plus souvent. Oh, il a renvoyé la balle. Oh, ça alors. Peut-être bien que vous êtes moins niais que vous en avez l'air. Peut-être même que vous savez où on va, hein? Il y a une station météo de l'armée de l'autre côté de la colline. Mon patron passera nous prendre dans quelques heures. Ah, de l'autre côté, hein? Entre nous, est-ce que je ressemble à un bourricot? Ok, monsieur Cooper, mais vous savez, logiquement, vous devriez dire non, madame. Vous n'avez rien d'un bourricot. Vous êtes une femme des plus charmantes. Vraiment coincée. Hé, là, logiquement, vous devriez rire parce que, voyez-vous, je plaisantais. Bon, très bien. Alors, écoutez, je vais rester ici parce que je suis fatiguée. Et rien à foutre de ce que vous direz. Vous faites ce que vous voulez, je m'en tape. Je n'ai plus envie de marcher avec vous ou avec qui que ce soit. Je m'en fous de ce que vous pensez, vous ou qui que ce soit. Aïe, oh, brute! Pas du tout. Ça veut dire quoi, pas du tout? Vous n'avez rien d'un bourricot. Oh. C'est gentil. Très gentil, je vous remercie. Première unité, nous approchons. Interception dans 8 minutes. Il a reçu une deuxième unité à 10 minutes de lieu d'interception. Ici Hydra, j'approche du secteur 4G. Je suis sur leur trace. Oh, aïe. Oh, j'ai mal aux pieds. Hey, est-ce qu'on pourrait souffler une seconde ou deux, hein? Non. J'ai pour mission de livrer un colis, je le livrerai. Vous devez témoigner devant le congrès demain. Pourquoi? Oh. Pourquoi vous prenez votre mission autant à cœur? C'est mon travail, je fais ce qu'on me demande. Ah, super! Et vous faites toujours ce qu'on vous demande de faire? Vous êtes mortel comme mec, mortel! Ici Hydra. Lucie localisée, angle nord-ouest du secteur 4G. Convergez dans cette direction. Oh, j'ai une de ces soifs. On va prendre ce chemin. À vos ordres, monsieur Cooper. Allez, j'assure. Hydra, au rapport. Ils sont dans ma ligne de mire. Arrête de bouger. Cooper, je vais mourir. Je ne rigole pas, je suis déjà à moitié morte. J'ai faim, très faim. Reste pas derrière les arbres. Penche-toi en avant. Arrête de trotter. Je suis déshydratée, Cooper. Cooper! Ah, merde.
Je vous parle, là, réagissez. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes sourd, je vous parle et vous n'entendez rien de ce que je vous dis. Et puis d'abord, regardez-moi quand je vous parle. Depuis tout à l'heure, je fais tout mon possible pour être sympa avec vous. Je ne me plains pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Écoutez, écoutez. Je vous dis de me lâcher, Cooper. Mars, envoyez-moi des renforts. Je tiens notre cible, elle est coincée. Angle nord-ouest, secteur 7G. Intervention, toutes les unités. Ici, première unité, à 4 minutes. Écoutez-moi, il nous tire dessus avec du calibre 50, une carabine de sniper. Vu d'ici, c'est probablement un Barrett M82A. De quoi faire un trou de la taille d'une citrouille dans votre joli petit corps. Et comment vous savez tout ça, vous, hein? Les marines, j'ai été tireur d'élite. Vous êtes sérieux? C'est vrai? Vous trouvez que j'ai un joli petit corps? Ah. Il faut trouver cet abri militaire. Grouillez-vous, les gars, je vais pas les retenir une plombe. On arrive, on est à 2 minutes. Lâchez-moi! Et qu'est-ce que vous comptez? 20! Allons-y! Non! Il va nous tuer! Mais dépêchez-vous, il change de chargeur! Je ne veux pas mourir! Merde, ils sont partis! Mais qui est ce type? Où ils sont? Ils se sont tirés! On a affaire à un costaud! Ils ne peuvent pas être allés très loin! Ratissez le secteur et liquidez-les! Rassurez-vous, une fois sorti de là, le bureau vous trouvera un endroit sûr. Ah oui, oui, c'est ça. Il n'est pas interdit de rêver. J'ai bien réfléchi à la question. Je préfère mener ma vie tranquille plutôt que de continuer à jouer les Eva Ramirez. Vous auriez dû y penser sérieusement avant de balancer votre mari et toute sa famille. Hey! Non mais, espèce d'enfoiré! Espèce d'enfoiré! C'est vous, les fédéraux, qui m'avez manipulé. Je ne disais rien, pas un mot. Alors vous êtes allé raconter à Tony que je l'avais balancé et il a envoyé des gens pour me tuer. Belle organisation, hein? Du coup, moi, je n'ai plus le choix, c'est clair. Erreur. On a toujours le choix. On est ce que l'on fait et tout le reste, c'est des discours. Sans rire. Ouais. Et ça fait longtemps que vous êtes Dieu le Père. Pas de cadavres dans votre placard, de pots de vin ici ou là, des séances de galipettes extra-conjugales, hein? Baratin! Vous vous croyez parfait? Permettez-moi d'en douter. Personne n'est parfait. En échange d'un bon paquet de blé, vous trahiriez n'importe qui. On ne vous l'a pas proposé, c'est tout. Ce joueur de cymbales, qu'est-ce qu'il peut bien avoir de spécial? Pourquoi est-ce si difficile? Croyez-vous que ce soit un piège? Non. Le curriculum de cet empoisonneur? Lance Cooper. Joli parcours. Ex-sergent dans les marines, reconnaissance, tireur d'élite, arme lourde, arme légère. Panama, Irak, médaille à 2 reprises. Au FBI depuis 4 ans. Le coup dur de sa vie, sa femme a été violée et assassinée dans leur maison. Il semblerait qu'il ait joué les justiciers. Mesure disciplinaire. Réaffectation. Donc, le système l'a déjà laissé tomber une fois. C'est scandaleux. Faites passer l'info. Il ne s'agit pas d'un joueur de cymbales ordinaire. C'est un soldat. Semper Fidelis. Nous sommes l'ennemi. J'aurais aimé le rencontrer. Un compagnon d'armes. C'est encore loin, cette station météo. De l'autre côté. Témoignez, qu'ils ont dit. Nous vous protégerons, qu'ils ont dit. Ah, mon œil, oui. Oh, ils ont tout dit, excepté qu'il faudrait grimper sur le mont Everest, non? Ah, si ces types réussissaient à m'abattre, ils me rendraient un grand service. Je ne rigole pas, c'est vrai. 2 ans et demi à jouer les braves campagnards, je crevais l'ennui, à petit feu. Là, au moins, ce serait plus rapide. Enfin, qu'est-ce que vous regardez? Le Yeti? On est encerclés. J'ignore qui tire les ficelles, mais c'est un militaire. Ce sont pas des gros bras ordinaires, c'est des pointures. À mon avis, quelqu'un paie cher pour vous faire taire. Vous verrez, ma bouche est comme une trompette. Les murs de Jéricho vont trembler, je vous promets. Faut à tout prix être là-bas avant la nuit et retrouver mon patron. Ce qu'on s'en tape alors de votre patron, vous pensez qu'il va nous sortir de ce pétrin? C'est quoi déjà la devise des Boy Scouts? Priez pour le meilleur,
En poireautant jusqu'à la catastrophe, c'est ça, hein? Non, c'est toujours prêt. C'est les mêmes conneries, tout ça. Je perds ma chaussure. Tour de contrôle de Tucson. Prêt pour l'atterrissage, piste 1. Votre équipe vous attend. Des nouvelles de l'agent Cooper? Non, monsieur. Nous y serons dans combien de temps? Environ 2 heures. Et ce vieux taco, il ne peut pas rouler plus vite? Mettez la gomme, bon sang. Aïe. Oh, une route. Oh, merci, mon Dieu. Ce sera beaucoup plus facile. De l'eau, Cooper. Un repas chaud. J'accepterai même de manger la tambouille du mess. Quoi? Où est-ce que vous allez? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas lire? Regardez le panneau. La station météo, c'est par là. Vous savez quoi? Le silence est une vertu. Ah oui? Eh bien, la vertu, c'est chiant. Et le silence étant une vertu, moi, j'arrête pas de parler. Bla, 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 bla. Je peux savoir ce que vous faites. Oh. Pourriez-vous... Venez! Hé! Hey, attendez, attendez! Mes pieds... Non, par ici. Je veux qu'ils nous suivent. Quoi? Comment ça, vous voulez qu'ils nous suivent? Venez. Non, 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 je veux pas. Non, allez, non, non, non. Venez. J'ai horreur de l'eau. Oh, y a des millions de bestioles qui grouillent là-dedans. Oh, ça va. Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh. 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 Un vrai bonheur. Dépêchez-vous, Eva. Aidez-moi! C'est pas vrai. Oh. Mars, ici équipe numéro 2, on a retrouvé leurs traces. En route! J'avais un chien qui faisait tout le temps ça. J'ai été obligée de le faire piquer. Oh, je rigolais. C'est une blague. Souriez. Ici, deuxième unité, nous approchons. Hé, hey, Cooper! Cette branche-là, ça va? Tarzan! Elle est assez grande? Oui, ça ira. Ah, quand même! J'ai l'impression que le marine fait son show. Oh, la vache! La vache! C'est une fille! Oh, tiens, ton casse! Oh, oh. Oh, la vache! Cooper, vous avez vu? Vous avez vu ce que je lui ai mis?
Une bécane. Est-ce que je peux la piloter? Dites, s'il vous plaît. Est-ce que je peux... Je ne doute pas que vous soyez un bon motard, mais je connais cette moto. Oui, moi aussi, hein. Mon rôle est de vous protéger. Allez, en route. Ah oui, hein. Oui. Oh, vous prendriez une balle pour moi. Oh. Je préférerais pas, mais je le ferais s'il le fallait. Oh, c'est chouette. Et si romantique. Oh. Allez, on y va. Oh. Répondez, unité 2, chef d'équipe, vous me recevez? Mars, ici Cote. Ils ont réussi à passer. C'est très embêtant. Oui, il manque une moto. Ils sont de nouveau mobiles. Nous aurions pu les coincer là, là ou là. Il est à moto sur un terrain accidenté. Sa moyenne ne doit pas dépasser 40. Les cibles doivent être dans ce rayon. Cote, vous allez me ratisser les sections de D à H. Ratissez chaque millimètre. Cette fois, vous n'avez pas droit à l'erreur. Bien reçu, Mars. C'est parti. Arrêtez ça tout de suite. Quoi? J'ai rien fait. C'est pas vraiment le moment de... ce que vous savez. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'heure pour... ce que vous savez. Et puis, il n'y a pas de mal. Je me lâche, c'est tout. Il y a 2 ans et demi que je ne me suis pas lâchée. Ne craignez rien. Je ne vais pas vous arracher votre pantalon et me jeter sur vous comme une hystérique. Sauf si vous me suppliez à genoux. Oh, allez, vous devriez vous lâcher un peu, vous aussi. On vient de tuer ces tarés, et dans une demi-heure, si ça se trouve, c'est nous qui allons être tués. Alors pourquoi? On n'essaierait pas d'être amis. Hein? Il reste encore 35 km jusqu'à la station météo accélérée. N'ouvrez pas le feu avant que je vous en donne l'ordre, d'accord? Oui, monsieur. Vous êtes l'agent Cooper. Vous êtes à moto. L'ennemi est tapis dans tous les coins. Que faites-vous? 2 solutions possibles. La rivière, il la suit en aval. Le terrain est simple, ça lui permet de se déplacer plus vite et de rejoindre la nationale. Inconvénient. Nos équipes lui tomberaient dessus sur le pont. Ou alors il peut se retrancher dans cette usine désaffectée, ici. Il s'y cache jusqu'à la nuit et il échappe à nos filets. Inconvénient. Il se met le dos au mur et nous venons le cueillir. Un vrai jeu d'enfant. 2 solutions. Mais laquelle? Janus, ratissage secteur EAH terminé. Pas de traces de nos cibles. Je l'aurais cru nettement plus romantique. Au lieu de la rivière, il a choisi l'usine. Hydra. Nous avons des raisons de penser que M. Cooper et son bagage se sont réfugiés dans une usine à 2 km de votre emplacement actuel. Encerclez la position et patientez, nous arrivons. Ici Hydra, serons sur les lieux dans 5 minutes. Janus, regroupement avec première unité. Nous serons sur place dans environ 10 minutes. Ici Janus, avons rejoint première unité. Bien reçu Janus. Tout s'arrange, cette fois nous tenons. Ça va 10 minutes. On se dirige vers l'usine. Attendons instruction. Nous sommes sur place, à vous. Programme. Ils nous ont repérés, on abandonne la moto et on se planque. L'obscurité est notre meilleure protection. On va rester combien de temps ici? Il fait froid. On va y passer la nuit. Essayez de trouver une lampe sur la moto. Mais où est-ce que vous allez? Souscrire une assurance. J'aurais tout entendu. Oh, c'est pas vrai. Ici Cote, mon équipe sera sur les lieux dans 6 minutes.
On fait quoi là exactement? Oh, quel chantier! Ça me rappelle l'endroit où Tony et moi on l'a fait la première fois. Ici Janus, rejoins l'unité 1, nous serons là dans 4 minutes. À toutes les unités, prenez vos positions d'attaque autour de l'unité. Que personne ne bouge jusqu'à mon arrivée, compris? Compris. Ici Janus, bien reçu. Ici. On devrait être en sécurité. La porte d'entrée est bien fermée, on a une vue imprenable. Oh la vache. Oh. Oh. Oh, c'est la première fois aujourd'hui que quelqu'un n'essaie pas de nous descendre. Oh. Aïe, mes pauvres pieds. Oh, j'ai vraiment mal. Oh. Oh, ça va prendre une éternité avant que ces bleus et ces griffures disparaissent. Vous pourriez pas essayer de vous asseoir de façon convenable? Oh, oh, mais qu'est-ce que vous en avez à secouer? C'est quoi au juste cette lubie? Il est où le problème? Votre femme ne s'assied jamais comme ça, vous êtes sûr? Histoire de vous émoustiller? Non, elle n'est plus là. Oh, pauvre chou! La vilaine, elle s'est tirée avec un représentant de commerce, ils ont un bel appart, deux beaux enfants et un gentil coquet? Non. Elle a été tuée. Je suis désolée. Vraiment désolée. Ma mère me traitait de grande jacasse, elle n'avait pas tort. Et vous étiez heureux? Ouais. Je vous demande pardon. Je pouvais pas savoir. Ici Hydra, en position. Parfait. Janus, rejoignez votre position. À toutes les unités, bouclez les issues. Pas de trou dans le filet. Bouclage total. Toutes les unités en position. Bouclage de la zone effectué. Bien, très bien. Poste de commandement mobile sur Dauge. À toutes les portes, préparez-vous à donner l'assaut. On se gèle ici. Cooper, je m'en souviendrai de cette fichue journée. À un moment, j'ai cru que vous alliez me trahir. Mais maintenant, c'est bête, mais j'ai un truc à vous demander, mais il faut surtout pas croire que j'ai une idée derrière la tête. Il fait un froid de canard ici, ok? En clair, je me les gèle. En plus d'avoir faim, soif, d'être fatiguée, et j'en passe. Je me disais que peut-être vous pourriez essayer de me serrer dans vos bras. Quand j'ai froid, il me faut un peu de chaleur. Je vous promets d'être sage. Je me tiendrai tranquille et... Et puis d'ailleurs, j'ai pas franchement la tête à ça, vu la situation. J'ai pas très envie. Là, j'ai froid, c'est tout. Vous voyez, je ne mords pas. Et non. Sauf si vous le demandez, bien sûr. Allons, voyons, je blaguais, Cooper, je blaguais. Oh, oh là là. Vous êtes sérieux à un point. Vous verrez, quand vous aurez appris à me connaître... Au fond, mais vraiment au fond, ben je suis pas aussi mauvaise que ça.
toutes les unités, en position de tir. Neptune, détonateur en place. Si nous en avons le loisir, je souhaiterais me charger d'elle. Elle sera tout à vous, lieutenant. Préparez-vous à donner l'assaut à mon commandement. Bien reçu, Mars. Bien reçu. Compris, Mars. À toutes les unités, attaquez. Oh, qu'est-ce que c'est? Ici Hydra, Janus est tombé sur le joueur de Saint-Bas. Allez-y, vous autres. Non! Il en fait beaucoup trop, là! Mon peur, c'est que nous sommes nombreux. Il ne gâcherait pas toutes ces munitions. Reculez! C'est une diversion! Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Vous avez dit que l'obscurité serait notre meilleure protection. Où est-ce que j'ai rêvé? Dire que pendant une fraction de seconde, j'ai failli vous faire confiance. Ah, ce que je suis bête parfois, mais bête, mais bête. Oh, trop. C'est peut-être bête, un animal. C'est vrai. À l'assaut. À toutes les unités, à l'assaut. Par la gauche, trouvez la femme. Merde! Où est-ce qu'ils sont? Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont allés? Ils nous en servent. Oh, quelle galère! Vous nous avez mis dans un de ces pétrins! On va crever tous les deux dans ce trois-là, au milieu de nulle part! Ils vont vous entendre! Écoutez-moi, Eva, il faut que je sorte! Hors de question! Je ne reste pas ici toute seule! Si je ne sors pas tout de suite, ils vont nous tuer! Je comprends rien! Et j'ai besoin de votre aide! Vous avez besoin de mon aide? Ah, elle est bonne, celle-là, qui est drôle! Je suis morte de rire! Écoutez, je peux les avoir. Et pour ça, Eva, il va falloir que vous me couvriez. Vous y arriverez. Vous croyez que j'ai le choix, hein? J'ai pas le choix. Oh, excusez-moi, j'avais oublié. Eva, la ferme, écoutez-moi. Je dis quoi, je n'ai pas du tout le choix. Mais si vous partez, si vous ne me couvrez pas, je suis mort. Oh. Ok? Ok, Cooper. Bien. Ok, je vous couvre. Je vous couvre, c'est tellement chouette de se sentir utile. Allez-y, allez-y. Vous en faites pas. Je vais vous couvrir. Je vais vous couvrir. Je vais vous couvrir. De ce côté-ci. Priorité absolue, en finir avec Lucie. Tirez à vue. Il est là! Il est au deuxième étage! Cooper est en vadrouille, on l'a pris en charge. Excellent. Qu'est-ce que je fais, patron? J'interviens avec mon groupe. Vous attaquez. Vous attaquez. Tout le monde à l'assaut. Ordre du commandement. Privilégiez Lucie. Dès que vous la voyez, prévenez-moi. Ça va aller. Seigneur, aide-moi. Je t'en prie. Monsieur, vous avez entendu? On dirait une fusillade! Mon Dieu, d'où est-ce qu'ils viennent, ces coups de feu? Faites demi-tour! Ça vient de l'autre côté, direction l'usine, vite! Oh!
Apparemment, le joueur de cymbale a décidé de se la jouer en solo. Il veut notre peau, on dirait. Lui faites pas de cadeaux. Il est increvable, ce salopard. Au risque d'énoncer une évidence, soyez prudente. Je le serai. Cott, réponds. Jette un œil en haut. Il y a un pote à toi au deuxième étage. Fais gaffe où tu tires. Ce qui signifie que Lucie est sans protection. À vous de jouer. J'y vais. Dans une situation quelque peu inextricable. Il faut en finir. Patience. Quoi que nous fassions, il peut nous atteindre, vous ou moi. Ne lui laissons pas cette chance. D'accord. Négocions dans ce cas. Bonne idée. Nous sommes entre professionnels. Cette partie de cache-cache fut exceptionnelle, Cooper. Et à présent, nous sommes dans l'impasse. Nous tenons le témoin. Vous nous tenez sans nous tenir réellement. Les bases du scénario sont jetées. À nous de l'étoffer en adulte responsable. Attention aux poussées d'adrénaline. Pas de gestes brusques et inconsidérés. Précisez vos pensées. J'y viens. Règle essentielle. Ceci afin d'éviter toute tentative absurde. Veuillez noter que mon associé est entièrement protégé par le corps de Madame Ramirez. Vous ne pouvez la tuer sans tuer cette chère Madame Ramirez. Considérons-nous cette règle comme établie? J'en tiendrai compte. Règle essentielle numéro 2. Nous acceptons l'idée qu'un accord peut être trouvé. Devons discuter au lieu de nous tirer dessus. Alors discutons. Face à face. Évitons aussi les surprises. Approchez, agent Cooper. Avançons là au moins. Votre flingue, jetez-le.
rien, Cooper, sans un geste de bonne volonté. Je vais donc le baisser. À votre tour. Tuez-le ! Tuez-le ! Oh, bon sang la vache ! Vous allez me laisser tomber, hein, c'est ça ? Vous ne valez pas mieux que les autres. Cooper, vous ! Taisez-vous ! Qui êtes-vous ? Mon nom ne vous dirait rien. Je veux savoir avec qui je parlemente. Trenton Fraser. Autrefois, Major Trenton Fraser, division aéroportée. Surpris ? Nous ne sommes pas si différents l'un et l'autre. Tous deux professionnels, tous deux lâchés par le système. Ils m'ont fichu à la retraite après des années de bons et loyaux services bien au-delà de ce qu'ils attendaient. Oui, bien au-delà. Et vous ? Comment avez-vous été traité après la mort de votre femme ? Eh oui, je suis au courant pour Annie. Croyez-moi, Cooper, je sais très bien ce que c'est d'être loyal et dévoué envers une machine aveugle qui ne tend jamais la main quand on a besoin d'elle. Envoyez-les promener. C'est à vous de gérer votre vie. Personne d'autre le fera. Tout le monde s'en fout. Je vous comprends tout à fait. Si, je vous assure. Je vous tuerai s'il le faut, mais je préférerais ne pas y être contraint. Nous n'allons tout de même pas nous entre-déchirer, vous et moi, pour la poule d'un mafioso. Savez-vous de qui il s'agit, agent Cooper ? Rien à voir avec une brave petite femme au foyer qui ignore tout des coupables activités de son caïd de mari. Elle était le bras droit de son cher Tony. Elle a trempé dans toutes les magouilles. Blanchiment d'argent, prostitution, meurtre. Une Lady Macbeth version moderne. Elle a du sang sur ses petites mains délicates. Laissez-la nous. Je n'y vois que des avantages. Vous deviendrez un jeune rentier. Vous n'aurez plus jamais risqué votre vie. Combien, Fraser ? Je sens un intérêt certain. Mais par mon chiffre, de manière à définir la nature de la fin de notre conversation. Nous devons être précis. Il y a déjà consensus sur un point. La dame n'est pas irremplaçable. La dame, c'est lui faire trop d'honneur. Ce n'est pas une dame, vous avez raison. Disons un chiffre suivi de 5-0. Ce qui ferait quel montant ? $500,000. On est loin du compte. 1 million. 2 ou rien. C'est trop. 2, on n'a pas le temps de marchander. Mes renforts vont arriver. Affaire conclue. 2 millions. Vous me donnerez les coordonnées de la banque et du compte. Je suggère la Suisse et numérotée. Bien, faites le nécessaire. Je m'en charge. Vous aurez tous les détails avant notre départ. L'argent sera transféré dans quelques jours. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Quand je pense au problème que j'ai eu à cause d'elle. Bonjour, la classe. La dame... Oh, pardon. Cette femme a une très grande classe. Une très grande classe. Une chance que vous ne l'appréciez guère. Ça rend les choses plus tolérables. Je vous garantis qu'elle m'empêchera pas de dormir avec sa grande classe. Sa foutue grande classe. Oui, bon. Je crois que c'est clair. Nous savons désormais ce qui lui manque. La grande classe. On s'en moque, allons. Est-ce qu'on pourrait clore le dossier ? À présent, ma collègue va conclure notre arrangement en lui tirant une balle dans la tête. Une exécution propre. Pas de réaction stupide. Nous sommes entre professionnels. Nous avons déjà vu des hommes et des femmes mourir. Personne ne va verser dans la sensiblerie, n'est-ce pas ? Attention aux taches de sang. Tu n'auras pas le temps de te changer, on file directement à l'aéroport. Je vais compter jusqu'à 3. Un coup et c'est vite parti. Elle fera feu. Ensuite, nous sortirons tranquillement. D'accord ? D'accord.
Alors, un. Téléphoner pour... Oui. Cooper, écoutez-moi, je vous en prie. Ce que Fraser a dit tout à l'heure, c'est faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Je ne savais pas, j'étais au courant de rien. Je savais que Tony n'était pas un enfant de cœur, mais je vous jure que je ne savais pas ce qu'il trafiquait. Vous me croyez? Vous me croyez? Je vous crois. Vous crois. Mais allez-y, vite. Vous ne bougez pas d'ici, compris? Je vais appeler de l'aide. C'est vraiment idiot ce qui vous arrive. Oui. Oh, je sais, je parle trop, mais j'y peux rien. Je suis comme ça. Attendez-moi là, d'accord? Vite. Je reviens tout de suite. Je sais. Je reviens. Trent! Trent! Va te faire foutre. Non, à vous l'honneur. Cooper, vous êtes là, mon grand? Ici, je suis blessé. C'est fini, tenez bon, tout va rentrer dans l'ordre. Oh, bon Dieu. Courage, on va vous remettre d'attaque. Vous les avez mis hors course. Le témoin... Vous en faites pas pour elle, Cooper. On va s'en charger. Mission accomplie. Pour être tout à fait franc, Madame Ramirez, je vous avais imaginé différemment. Vous vous trompez, monsieur. C'est ce qu'ils disent tous. Crispin! Oh! Pourquoi? Le sénateur Ivanovitch s'est approché trop près de la mafia il y a 20 ans. Il lui fallait un appui au FBI qui l'aiderait à protéger sa carrière. Il a trouvé un serviteur zélé. Moi. Madame Ramirez en savait beaucoup plus qu'elle ne l'a prétendu au procès de Don la Faucheuse. Elle a donc été reconvoquée à Washington pour cracher le morceau devant leur commission spéciale. J'ai dû annuler son invitation, si vous voyez ce que je veux dire. J'arrive pas à le croire. Venant de vous, pourquoi? Les jeunes hommes pleins de principes deviennent de vieux hommes criblés de dettes. Je voulais vous faire entrer dans la combine avec moi, c'est vrai. Mais vous êtes trop carré. Vous êtes un boy scout. Regardez-moi dans les yeux. Et dites-moi que jamais vous ne parlerez de tout ceci. Si on en reste là, si je vous laisse la vie sauve, vous ne soufflerez mot de cette affaire à quiconque. Promettez-moi de vous taire. C'est pas... Je peux pas ne pas le leur... Je comprends. Je vous en prie. Non. Je n'ai pas le courage de lui tirer dessus. Je ne peux pas. Vous, tuez-le. Quand ce sera fait, jetez son corps avec celui de la poufiasse. À vos ordres.
je vous dis la poussière. Cooper, Cooper, debout, debout, on sort de là. Cooper. Debout, Cooper. Oh. Cooper, vous allez m'aider. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Jamais je n'aurais dû. Pardon. Je suis vraiment désolé. Cooper, on fait quoi là? Hein? C'est simple. On va à Washington. Hein? Ils attendent votre témoignage. Et ensuite? Ensuite, vous aurez des choix à faire. Des choix à faire. Mais oui. Souris à pleines dents. Non, c'est la... Non, vous avez souri. À moins que vous ayez eu envie de détendre vos zygomatiques. N'empêche que si c'était un sourire, vous devriez renouveler l'expérience plus souvent. Parce que ça vous va. Ça vous va drôlement bien de sourire. J'avais un prof au lycée qui disait tout le temps « Souriez et le monde entier vous sourira. » Pleurez et les gens d'ici s'en ficheront pas mal. Sauf que moi, bien sûr, si vous pleuriez, je ne m'en ficherais pas. Parce que... Vous trouvez que je parle trop? Un peu. Ça vous embête? Pas tellement.